c'est une société de solutions langage qui est graduellement devenue une agence marketing. On fournit donc différents types de services qui sont axés sur les langues. Nous sommes des linguistes à la base, d'où le nom LuxLingua. Alors qu'est-ce que les solutions langage? En fait, notre matière première, c'est les mots, le langage, et on travaille le langage de manière stratégique. Donc on va accompagner nos clients sur tout ce qui est stratégie de marque digitale, les aider à trouver un nom, une identité de marque, inventer une histoire autour de leur marque. On fait également tout ce qui est création et rédaction de contenu. Aujourd'hui, on est capable de fournir l'ensemble des services d'une agence marketing globale. On travaille évidemment avec eux tout ce qui est leur histoire, leur image de marque, les histoires qu'ils vont inventer autour de leurs produits, de leurs fondateurs. On travaille vraiment sur ces choses assez fondamentales. On a vraiment trois domaines d'expertise particuliers chez LuxLingua. C'est tout d'abord le luxe, art et divertissement, qui comprend bien évidemment les jeux vidéo, et ensuite la haute technologie. C'est ce qu'on a présenté au CES, en partenariat avec la société Calanque, qui est basée sur la réalité augmentée sur les réseaux sociaux. C'est une technologie qui est apparue début 2018, qui se démocratise doucement, qu'on a besoin d'évangéliser, et puis qu'on a besoin de consolider en matière d'exécution. L'ambition derrière, c'est pas d'apporter une brique d'innovation, c'est d'apporter une vision de l'innovation linguistique qui va transformer la façon dont on voit comment on produit le contenu et comment on le fait traduire sous la forme d'une solution logicielle. On a vraiment aimé la région qu'on ne connaissait pas très bien et on est vraiment content tous les matins de découvrir des projets fabuleux avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Shine like gold.